Team. Allez, c'est parti. La suite, donc, virer en France, ça va être ça. Bon, on verra les détails après, je vais charger. Tant que ça charge. Chapitre 9. Donc, je crois me souvenir, hein, tu m'avais dit... parce qu'on a carrément dépassé le milieu, il y aurait 15 chapitres en tout. C'est vrai que Toto m'avait posé la question si j'avais dépassé le milieu, j'ai pas su lui dire, mais je m'en rappelais plus à quel chapitre... s'était arrêté. Donc là, on est quand même à deux tiers, quoi. Ah bah tiens, bah Vlatotor, justement. Enfin, je l'ai vu se connecter sur le chat, après. Ils sont un peu plus longs que lors du dernier live. D'accord, salut Totor. Bon, on va voir, quoi. Donc, il y a 15 chapitres, ouais, ouais, c'est sûr que là on est aux deux tiers, mais ça risque. Il y a des chapitres qui comptent double, apparemment. Déjà, le chargement est plus long là. Là, on va mettre 2 heures pour faire ce chapitre. Ça y est, ça s'est débloqué. Bon, ça, c'est les stats du chapitre précédent. Ça fait un peu la Indiana Jones, ça. Told us that the Middle Eastern artifact we're looking for, which is actually of alien origin, is in France. Yep. This is actually one of our less convoluted missions. C'est quoi cet avion? You sure it's in Carcassonne then? I am sure it is there, but I am. Ah, là, ils ont dit où on va aller. Our path is wise. This grail, whatever it is, I fear it is anathema unto God. Men died to hide it, to shield the world from its influence. Or to keep it for themselves. Whatever their reasons, we need it. We're gonna win this war, no matter the cost. And what if cost is our soul? I'll write them a check. 5 minutes to drop. What's the situation on the ground? Oh, Catfu. Mental captured the town a while back. We can expect heavy enemy activity. Nice. I like a challenge. You're set to rendezvous with a French resistance cell. Contact's name is Michelle. She'll meet you on the main square. The resistance will get you into the castle. How was that? What the fuck? Lost engine 2! Gremlins are real! We got raiders on our tail! This thing flies like a sack of potatoes! A sack of potatoes that's about to fall out of the sky! Start bailing, now! You heard the lady. Go! Attends, mais ils ont pas de parachute, les mecs, là. D'accord, c'est apparu. Guys, hello? Shit, I can't see anything. Is that a tree? Allez. Donc, je sais pas si vous avez vu dans quel coin on va aller. Hello? Oh. Anyone there? Oh, putain. Quinn? Carter? Kenny? Sympa. J'attends que ça charge un peu parce que ça remet un peu. Là, ça va. Putain, mais c'est immense. A long way to that town. I'm gonna need a ride. Trouver un véhicule. Donc, voilà, bienvenue en France. Bah là on est au Vigan dans S7, tu dois connaître. Non, je déconne, c'est pas... c'est pas dans ton coin. Normalement on est proche, ils avaient dit, de Carcassonne. Ça aurait été bien, remarque. Mais bon, voilà, Carcassonne c'est pas non plus très loin. Si on les a déjà vus. En enfer. Ah, la musique.
Attends, mais je suis en train de... Ah oui, d'accord. Ok. De... J'ai plus d'armes. On les a déjà vus, les harpies? Je sais plus. Je suis pas sûr. Je confonds peut-être avec le 3, là. Putain, par contre, il va falloir que je trouve une autre arme. Attends. Non, j'aime bien la musique. Attends, c'est casse-couille là. Ouais, faut que je trouve. Là, il y a peut-être un. Au moins un deuxième pistolet, quoi. T'as les baraques, quoi. Ok. Tu as chopé un gadget. C'est un truc ça ou pas? Je l'ai lâché, j'ai appuyé trop plein de fois. Allez, fonce! Putain, merde! C'est quoi? H? J'ai vu. Ah oui, d'accord. Vue interne. Mais il faut aller où là? J'en sais rien. Attends, il y a un GPS là? Ah putain, je me prends les armes maintenant, c'est quoi? C'est plus le même code? J'ai déjà le deuxième flingue. Ah oui, putain, avec Alt, c'est vrai. Je crois que tu les ai vus, non? Ouais, les... Tu parlais des... Les harpies. Putain, mais... Attends, mais c'est immense, quoi. S'il y a des trucs planqués, là... Franchement, on se balade où on veut, quoi. Je vais me mettre comme ça, plutôt. Je vois mieux. Je fais gaffe s'il y a des trucs en surbrillance, quoi. J'ai raté une mission secondaire, ouais, bah alors là pour la trouver. Je skip tout, bah attends, ils me disent d'aller là. T'as une zone de 3000 km². Ah bon, d'accord, bah je vais essayer d'y retourner, mais ça va être assez compliqué là de retrouver. Putain, c'est Star Wars là. Heureusement qu'on se prend pas de dégâts. On s'en dans les arbres. Il faut que je retrouve une route là, surtout. Il y avait une par là, non? Putain, je sais plus où c'est moi. Ah, la route. Bon, on se balade quoi, on visite la France là, on est passé sur comment ça s'appelle. Euro Truck Master, non, je sais pas. C'est quoi le nom là du jeu là? Simulator, je sais plus quoi. Oh, je sais. Mais là, je sais pas où je vais quoi. Je suis sur la bonne route au moins? Ah oui, oui, non, c'est bon là. Alors. Mais putain, il y a une arme là en plus. Non, pas ça. D'accord, donc eux, ils étaient restés là. Euro Truck, c'est ça, je crois. Hein. Putain, bah ouais, quand même, quoi, j'ai failli rater la mitraillette, quoi. Alors, par contre... Oh, bah attends, il y a trop de zones, là, quand tu veux que je trouve la mission secondaire. Le truc écrit en français, hein. Mais c'est trop grand, quoi. Et salut Peter Parker, je sais pas si je t'ai vu. Euro Truck Simulator. D'accord, moi j'étais pas loin. Tu dis qu'il y a une feuille quelque part là. Attends, où tu m'as dit? Dans une ruine? Là où t'étais. Bâtiment pété. Ça là? Putain, bah GG à toi, tu te joues pour l'avoir trouvé. Ah ouais. Non, ça c'est clair, je serais passé à côté mille fois. C'est quoi? Non, enfin. Ça c'est merde. At the depot. So, if you follow the map, you will be able to do as I've instructed and assist our mutual friends.
And remember to be extra careful, as our intelligence suggests new alien troops will be moving through the area. Michelle out. This message will self-destruct in 5, 4, 3, 2, 1. This seems like a nice place to have a picnic. Or a massacre. Alors la feuille, j'ai pas trouvé par contre, si. Ah si, apparemment si. C'était de ça, moi. Bon, je sais pas, je commence à plus suivre. Hein. Ça y est. C'est Médaphir. Ma caisse, ok. Enfin, ma bécane, tiens, il y avait ça. Ouais, je crois que les secrets, je vais pas beaucoup en trouver si c'est des zones aussi énormes. C'est, ça va être compliqué. Hein. Ah merde! C'est bizarre, pourquoi ça s'est pas déclenché? Tu vois, s'il y a des trucs là. Par contre, ils ont fait vraiment une zone énorme. Enfin, c'est fou quand même ce qu'ils ont fait quoi. Et puis c'est. Ouais, je trouve ça pas mal. On va continuer à suivre la route. Hein. Parce que là tout à l'heure, c'était un peu chaotique. Ah bah oui, j'ai spammé sur le bouton. Parce que je me faisais trucider quoi. J'imagine que la route mène là-bas. Tiens. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour du sérum de rage encore. Bah, remarque, ça m'en fera plein. Là, putain. Ouais, mais je trouve ça quand même fou hein, ce qu'ils ont fait là. C'est clair que c'est immense, mais voilà, ils ont pas fait une petite zone, enfin une grande zone dans un endroit clos quoi. Là, c'est, t'as l'impression que tu peux être vraiment où tu veux quoi. Oh, merde. Ah, tiens d'ailleurs, on va faire un petit tour là. Cosmo Crab, c'était quoi ça? Ah putain, oui, ça c'était un boss ça. Je crois que c'était une araignée, donc c'est un cosmocrabe. L'hélicoptère, ça on l'avait vu. Donc qui vient du 3. Dégueulasse. Et ça, c'était le boss juste au niveau d'avant. Et donc, sorcière harpie, voilà. C'est bien la première fois qu'on les rencontre. Dans celui-ci. Bonne tête. Non, attendez, cendre, c'est ça. Chut, calme. Un petit life. This is the third day since our plane was shot down by an Octanian raider. The French Resistance has treated us with admirable generosity, though the provisions continue to be frightful. Ce qui a besoin d'être continué. On peut tirer, hein. Is, frankly, nearly as alarming as the frequent attacks on the compound. Je vais faire terrer. On peut pas les écraser là vite fait. Hein. Oh puis merde, on se casse. Attends, y a plein de trucs là. De toute façon, il faudra y retourner. Ils vont pas me suivre jusque là, de toute façon. Bon, là, on va peut-être commencer à débuter, quoi. Putain, mais... Oh là là, mais attends, j'ai des armes de merde, là, contre eux. C'est vrai que j'ai ça. Ok, bon, au moins cet ennemi, ça dégage. Ça a rien fait tomber, par contre. Voilà, il y a plein de trucs. Là, on va se faire le plein de munitions, ça c'est cool. Et peut-être... Peut-être qu'il va y avoir des armes. Par contre, pourquoi il ralentit parfois, Sam? De toute façon, il marche lentement, quoi.
d'autre là? J'entends des bruits bizarres. Je vous lise un peu. Salut Ganonouch! Comment ça va? Ça manque de grillons, ouais. Et salut Tortue Ninja! Alors mes premières impressions, ah, c'est pas mes premières, mais. Toujours dit que je le trouvais très bien, quoi. Vraiment dans la même ambiance que les premiers. Mieux que le 3, quoi. Même classe aussi là, de pouvoir faire des headshots. Bien dans mon dos là, ouais. Ils sont super loin en fait. Non, il est là. Oh oui. Ah c'est bon, on va pouvoir se faire plaisir. Toile 3 un peu ennuyant sur la fin. Ouais, faut que je continue à vous lire quand même. Balle 3, ouais, non mais même dès le début, hein, c'était moins... C'était assez vide quoi. Quand même assez vide et là t'as vraiment pas mal de scènes sympas. Ah, ça a dû lui faire drôle. Hein. Alors, y a un super truc là-bas violet. Merde. Oh c'est bon. Ah putain par contre c'est pas des affiches françaises, ça aurait été bien ça. Ils ont laissé les affiches qui avaient. Hein? Pourquoi? C'est quoi cette arme? Putain! Putain! Il y a l'arbre qui s'est couché quoi, c'est bizarre. Je pense que j'ai dû le faire péter. Non mais faut que je garde ça, attends. Hop. Cache. Ouais, faut que j'aille m'en chercher. Ouais, c'était bizarre. En fait, c'est un arbre que j'ai dû faire sauter avec le C4. Et tout ce qui explose, tu veux, ça reste pas forcément sur le décor, ça disparaît. Et donc là, c'était en train de disparaître, parce que ça fait une drôle d'impression, quoi. Par contre, c'est où que j'avais chopé la caisse, là? Attends, il y a de l'armure, là. Putain, merde, ça y est, j'ai oublié, c'était bien par là, non? Ah. Though the battle was fierce, we persevered and were victorious. I'm told we shall be meeting Michelle, the leader of the local resistance. Comme dans le Cornio, on est à Carcassonne. Ouais. On va aller au château. But first, grandmama's famous mushroom surprise. Les huches. Ah. Ah, c'est bon. On revit. Alors c'est au-dessus là. Attends, c'est où je l'ai vu le truc violet? C'est là? Attends, je suis pas fou, j'ai vu un truc violet au loin. Ah là! Comment on fait? Là? C'est loin. Attendez, putain, c'est chaud là, comment tu veux que j'y aille là? J'ai jamais pouvoir sauter aussi haut. Bon, il faut un jetpack, je sais pas. Le jeu te fait penser à Postal. Putain, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Enfin, j'avais joué à Postal 2. C'était du n'importe quoi quand même. C'était assez rigolo. J'ai fait ta soirée. Bah, je sais pas, est-ce que c'est avec la moto ou alors. Est-ce que je peux y aller là? Vu que c'est arrondi là. Est-ce qu'il peut faire l'effort là d'essayer de monter? Attends, ça a l'air de.
faire en diagonale. Faut le faire comment? T'avais réussi toi, tu dû avoir celui-là? Parce que là, c'est un gros truc violet. C'est, je pense pas que c'est un life, mais... ça peut être un gadget sympa. Peut-être là, d'abord. Ouais, là, je suis dessus. Ah putain, mais ça... Attends, je vais enregistrer. Voilà, putain, c'est que là, il me faut un double saut, là. Je peux pas y aller, là. Là, merde, peut-être que ça va mettre 15 ans. Non, c'est bon. J'arrive même pas à voir ce qu'il y a au-dessus, quoi. Si je saute là-bas, sur le mur, là-bas, là. D'accord, ils sont foirés, mais... Bon, je vais pas chercher 1000 ans non plus, quoi, mais... Je suis sûr que c'est les cartons là qui... Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc, oui, il faut aller par là. Est-ce que je prends la moto ou... Non, j'ai pas le snipe même pour voir. Ouais, vaut mieux que je vais prendre la moto là. Putain, je l'ai laissé loin. C'est quand même beau, hein. Enfin je sais pas. Je trouve que vraiment c'est correct quoi. Ça se trouve faut faire. Il y a un tremplin et faut y aller avec la moto quoi. Attendez, je suis pas sûr mais j'ai vu là. Je fais juste le tour de ce bâtiment. Ouais non, y'a rien. Je vais rapprocher la moto quand même. Bon, elle peut pas péter la moto, hein. De toute façon ils peuvent pas me la péter. Je vais mettre là. J'aime bien comme la musique s'emballe quoi. Ah. Ah non, c'est le sérum. Ok. Là j'ai fini la mission là. Surprise aux champignons. Ah merde. Attends, c'est... Il y en a d'autres qui sont arrivés là. Bon, en tout cas j'ai le plein. Côté de munitions. Il est où ce con? Merde. Con. Garder un peu de C4 là. C'est quoi ce son? C'est chez moi ou c'est dans le jeu? J'ai l'impression que c'est en dehors de mon casque ce son. Voilà, comme ça je récupère ces munitions là. Où lui? Il y en a deux. Bon, je crois que j'ai tout vu de toute façon ce qu'il y a derrière moi là. Faut se barrer là. Putain. Vas-y, on se casse. Mais prends! Putain, il faut bien viser quoi. J'arrive. Tiens, je me prends tout. Là.
Oh merde. Putain, mais merde, je peux pas, j'ai pas le temps là de changer. Oh, j'ai crevé. Voilà, ça y est, ça se met à ramer en plus. Ils sont super nombreux là. Putain, j'aurais dû les buter avant là, ce au bout de verte. Ouais, non mais là je vais crever là, putain, quel enfer. Je pensais pas qu'il y aurait des kamikazes quoi. Bien. C'est tôt. Non. Putain, je vois rien. Elles sont où là? Non, ça c'est un arbre. Toi, t'es mort. J'en ai plus. Faut que j'essaye d'ouvrir la caisse là-bas. Putain, c'en est un ça? Non, c'est un tuyau. Par là. Ah, bon, c'était laborieux, mais ça amuse bien, quoi. Alors que je vous lise un peu, j'espère qu'on va voir le canon ce soir. Ah bah j'espère aussi, la recherche des secrets casse un peu le rythme du jeu, je trouve. Son côté frénétique. Ah ça dépend, il y a des secrets qui sont cool quoi. Alors, c'est pour ça que j'aime bien chercher. Bon là, je t'avoue qu'avec la taille de la zone, ça me rebute un peu. Enfin en tout cas, à faire en live, ça c'est clair. Mais bon, après c'est cool, il y a les fous furieux avec les bombes. Là je suis en train de vous lire, c'est pour ça que je tourne un peu en rond. Ouais là c'était une bonne scène là, j'ai bien aimé quoi. Bon bah c'est bon hein, je peux un peu se barrer de là je pense. Attends, on n'est pas obligé de passer là-bas? Il y a un autre chemin? Ah mais lui il veut me faire passer dans les arbres quoi. Putain ouais, mais c'est chiant. Attends, vas-y ça grimpe bien ça. Allez, allez, courage. Merde. Bon, allez. On va y aller sur la route, parce que là... je sens que je vais me paumer. Bon, c'est juste dommage que j'ai pas réussi à choper le truc violet. Et je pense pas qu'on... Ah non, on peut pas déloger les items. Parce que j'aurais bien balancé un C4 à côté pour le bouger, mais... Ça marche pas, je crois. Ah, mais si, on peut tirer en même temps. Attends. Non, mais donc, du coup, il vaut mieux se mettre comme ça. Quoi. Putain, avec le double canon en plus. À la Terminator, quoi. Je suis d'accord, Fire Mario, hein, la scène de la grande évasion en moto. J'ai pas envie de l'essayer, quoi, mais j'ai assez vu Hooper là-dessus et ouf. Non, mais franchement, c'est pas mal fait, quoi. Bon, là, ça rame un petit peu chez moi, chez vous, je sais pas. Non, j'ai l'impression que c'est super fluide. Putain, sur le retour au baisse, c'est super fluide. Mais chez moi, non. Mais bon, ça se joue quoi. Attends, là on est retourné au point de départ.
Mais une fois qu'il y aura vraiment tous les patchs d'optimisation, tout ça, là, ça sera énorme. Quoi. Ah, c'est descendu à 10 à un moment. Ah si, ça ramouille, bon bah voilà. C'est quand même vachement plus... C'est quand même plus fluide sur le retour OBS, hein. Je regarde là. Ah, là, ça y est, là, c'est devenu propre. Après, tu m'étonnes, quoi, si déjà, ils ont pas un moteur hyper optimisé et ils font des zones aussi immenses que ça, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quand même. Attends, je vais aller voir ce qu'il y a là. On se balade un peu, quand même. On est chez nous, là. This is Radio Free Earth with more news from Rome. Apparently yesterday there was an explosion inside the Vatican Library. So we have Raider fleet, volcano eruption, giant blob monster, and then the Vatican explodes. I don't know about you folks, but I think there's something really. Ah. Y avait un truc, ouais, ça. Est-ce que ça, blabla, c'est important. Les volets le 20 de messe. Ouais. C'est pas une quête secondaire, ça. Ah, d'accord, je viens de choper le fusil. Simple, fusil à pompe. Oh putain, il y a du monde là-bas. Je regarde s'il y a d'autres choses. Ah, les champs. Enfin, les... Il manque un petit tracteur là. Là. C'est sûr que si je vais m'arrêter à chaque coin dès qu'il y a des baraques, on va mettre le temps. On va suivre la route. Ça, au niveau des éventuels bugs rencontrés, des choses gênantes ou pas? Moi j'en ai pas eu. J'en ai pas eu, mais tu te jures, on a eu des crashs. Ouais, voilà. Whatever it's called around here, a bit of a souffle, maybe. And we sure could use a hand, preferably one with a gun in it. Hop, 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 hop. Ouais, voilà. Je veux juste voir le panneau là. Sniper. Ah bah allez, c'est parti. Ah, c'est la petite tour là-bas là. Je crois qu'elle avait raconté hein, ce que je devais faire, mais j'ai pas suivi. C'est quoi, elle est coincée dans un clocher là, c'est ça? La belle et le clocher, ouais, ça doit être ça. Oh, putain, il y a du peuple. Sortons de là, comment, comme ça, hop. Quoi, au loin là, il y a des lignes jaunes là. Des clôtures, c'est quoi ça? Bizarre. Il y a un sniper. Bah, c'est peut-être elle, remarque. Putain, j'utiliserais bien le C4 là pour. C'est quoi ça? Oh putain, il y a des vampires. T'as bien volé.
De loin, c'est un peu compliqué de les avoir. Vraiment être proche avec le fusil à pompe. Ah, il s'est fait sniper, énorme. Non mais c'est pas dans le jeu ce bruit hein. Oula, putain. Ah non d'accord, c'est les voisins qui font de la perceuse. À 9h30, d'accord. Sure was lucky that you came along. You're welcome, ma'am. So, what are two all-American girls doing shooting aliens in the French countryside? Well, Aubrey's from around these parts, actually. After Lexington, she said, let's go somewhere nice, drink some wine, shoot some aliens, have some quiche. Who can say no to that? Bon, merci les mecs, hein. Anyhow, I gotta get Aubrey back to the hideout. Hey, you want her rifle? Her arm's all shot up, won't be using it for a while. Bon, je suis désolé pour ça, je pensais pas qu'à 9h30 il arriverait ça quoi. Ah voilà, j'ai le snipe. Ah, c'est bien parce que toute l'après-midi déjà ils ont fait des travaux, ils arrêtaient pas. Mais bon, à 9h30, y a pas de soucis quoi. Ah, puis ils ont l'air de bien insister. Bon, bah écoutez, hein, je suis désolé, je peux pas couper ça, quoi. Non, c'était pas ce que je voulais faire. Putain, les relous, quoi, mais vraiment. Je disais bien que c'était pas dans le jeu, ce son-là, quoi. Ça paraissait trop extérieur, quoi. Je me suis dit putain, ils ont réussi à faire un effet dans le casque pour croire que ça vient pas du jeu, mais bon. Ah bah si c'est ce que t'attends, tu te joues peut-être. Bon, je trouve ça juste fou que, enfin bon bref, on est en France, tout est permis maintenant, donc faut pas être étonné non plus quoi. Alors. J'ai le fusil. Ouais. C'est bien, ça fait deux. Attends, merde, c'est pas ça que je voulais voir là. Oh, putain, c'est relou. Bah ouais, mais quand je m'en pose, forcément quoi. Donc, il y a 10 secrets. C'est clair, ouais. Moi j'ai hâte de savoir s'ils vont continuer à 2h du mat. Le respect et le savoir-vivre, ouais, non, ça, c'est... C'est de l'histoire, ça. Quoi ? Putain, oh, énorme ! Sympa, ça. Petit champ de maïs. Bon, alors, par contre, là, j'ai fait le con. Ils sont où, dans ce bordel, là ? Ils sont plusieurs, là. Ah, c'est ça que je voyais au loin. Ah, d'accord, c'est des gros câbles électriques. Ils sont jaunes ? Peut-être. Enfin, on les voyait de super loin, en tout cas. Attends, on a une petite baraque, là. Tunnel's closed. Guess I'll have to take a detour. Petit truc, là. C'est quand même joli là. Bye baby, I'll miss you. Ah, je vais devoir lâcher la moto. J'aimerais bien trouver des petits panneaux en français quand même. Il y avait ça dans le tout premier trailer. Oula. Ah merde. Moi je viens d'éclater la moto alors. I smell trouble. Je prenais des Splinter Cell là. Huche.
Oh la vache, il y a le plein là. Ah ouais, non mais là ils ont fini. Oh putain, eux. Eux ils sont chiants, mais. J'aime bien les avoir. Ah attends, je l'ai. Ah yes! J'ai les lance-grenades avec le fusil, quoi. Donc ils ont, ouais, ils ont bien laissé le module. On a récupéré. Bon, maintenant vous devez entendre des coups de marteau, hein, je pense. Oh, attendez! Ah, je croyais. 150 mètres. À l'aise, Benz. 150, putain. On va commencer à trouver des panneaux, là. La plaque. Ah, 44. France, énorme. Enfin, c'est tout con, hein, mais... Ça, c'est cool. Je dois être quasi à fond dans 8. Ça va, Audi. En fait, il faudrait que je mette... Mais ça, je l'ai toujours pas... J'ai toujours pas essayé l'espèce de... RTX Voice, je crois. Qui permet de masquer tous les sons... autres que la voix. Mais j'ai peur que ça rende une voix robotique, quand même, ces conneries, quoi. Mais apparemment, ça marche super bien. Putain, je suis obligé d'y aller à pied, là. Il y a un truc encore là-haut. Merde, c'est quoi ça? Oh merde. Attends. Ok. Bon. Alors j'ai vu, je sais pas, ça doit être par là. Putain, je sais pas sur quelle baraque précisément j'aurais dû sniper. Attendez, je vais revoir parce que... Ah, perceuse est revenue. Alors. C'est un life. Ouais, est-ce que je me fais chier pour ça, quoi. Je vais juste voir la gueule. Diavolo. Putain, mais c'est compliqué quand même à monter sur les trucs là. Ah là? Bah non. Ah, je sais pas, y a pas une compétence double saut. Je crois pas avoir vu ça, quoi. Là, comme ça, ça me paraît vraiment difficile, quoi. Bon, bref, c'est juste pour un life, on avance, quoi. Sam, Kenny, salut, Patakas. Damn radio. Might as well be carrying a can on a piece of string. Ça, c'est pas les kamikazes. Ça en était un, ça? Ouais. C'est quoi qui bombarde, là? C'est quoi qui bombarde comme ça? Dégage. Oh, c'est des gros. Ok. Pas mal. Putain, ça c'est beau ça. Le feu d'artifice, quoi. Je crois qu'il y a biomécanoïde là-bas. Hein. Je vois des missiles passer là. C'est quoi qui tire? Ah non, c'est mon cubus. Je vous lise un peu. J'avais eu du mal. Je
l'avais eu, mais ouais, c'est galère. Ah, tu l'as eu. Bien joué. Attends, juste chercher des munitions. Casse un peu les couilles quand même, le voisin a tapé. Enfin, franchement, c'est vraiment pas une heure pour ça. Wow, c'est quoi ça? Bah là, on est en route pour Carcassonne, là, au niveau de la région. On devrait être proche. Normalement, enfin. Peut-être pas à côté non plus tout de suite. C'est notre objectif. Ouh, il y a un gros truc là. Ça, ça sent le biomécanoïde par contre. Ouais. Comment je vais me le faire lui? Je pense avec ça. Merde, il y a des clears. Sont des kamikazes à fond contre son mur quand il perd. Moi j'aimerais surtout que ça lui pète à la gueule quoi. Non non, ça vient du dessus. Celui qui rage, il est à ma droite. Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. Il a peut-être abandonné finalement le tuto. Il a abandonné le jeu au tuto. Après un an. Utiliser les deux en même temps, si jamais, putain. Ah non, pas eux, putain. Un autre là, putain, c'est pas possible. Dégage. Ok, je pense que c'est bon là, on est au calme. Waouh. Ça demande quand même une concentration, hein. Chaque fois. Je me tais quand il y a les scènes de combat parce que je suis très attentif au son, surtout pour savoir ce qui m'arrive sur la gueule. Ah, quand même. Ah. Namaste, mon frère. Have you come to be taken and become one with Mother Nature? What? They have come from the stars to put us back in touch with the Earth. Is there like another set of alien invaders that I'm not aware of? No, 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 they are not invaders. Look, I will show you. Oh no. Come, let us celebrate the dawn of Aquarius. Help us change ourselves so we can change the world. Take us up in your divine chariots and teach us the path of peace. Oh.
Régler au premier tour du premier niveau. Toi à côté, tu te bats tranquille. Ah bah, je sais pas s'il connaît bien les Serious Sam. Si c'est la première fois qu'il les découvre, ouais, ça a dû lui faire bizarre. Merde, des drones. D'accord. Putain, mais quand ils foutent des drones, hein, c'est pas une petite dizaine quoi à chaque fois. Hein. Ça me rappelle le dernier niveau là qu'on a fait où je voyais les ombres là, c'était c'était énorme ça. Putain, mais je sais pas ça. Merde, j'ai plus trop de munitions en plus. J'ai pas mal là. C'est peut-être un peu bourrin. D'accord, j'ai pas vu. Ouais, j'étais un peu ambitieux. Ah, par contre, ça fait longtemps que j'ai pas chargé et sauvegardé. Aïe aïe aïe, j'espère qu'il y a une auto-save pas loin quoi. Ouais, d'accord, bah on se refait ça, bah c'est pas grave. On va tous les amener. Essayer de les regrouper, puis avec le fusil, je vais en faire plein à la fois. Ça finalement. C'est bien intensif quand même, là je vais sauvegarder. Il avait fait le 1 vite fait, d'accord, je comprends. C'est pas un Twitch les drones. Ouais. C'était les bots là qu'on a eu l'autre soir là. Ça arrive en masse. Et ben voilà. On se récupère plein de munitions là. Donc, il faut aller ici, mais attends. C'est des trucs cachés. Ouh, ça par contre ça on va se faire plaisir, je suis avec ça. Encore un ennemi paumé. Ah putain, bah oui. Ça continue. I can see in your aura that you are a powerful friend of the earth. Now, mon frère, it is time to seek out their base and bring peace by crushing the oppressor. You must head there to the south as the eagle flies. Des chargements de texture plus qu'avant, j'ai l'impression. Foot, like a hobbit, you will need a mighty steed. Here, take the keys to my combine harvester. You're a terrible hippie. You know that?
Well, you have to go with the flow, mon frère. Can you dig it? Like a grave. Oh wow, that came out really sinister. Anyway, bye hippie dude. Happy trails, ouais. Mon frère. C'est peut-être un peu de mal parce que c'est une trop grosse zone, j'en sais rien. Ça le faisait pas autant, j'ai l'impression avant. Ok, allez. Alors là, normalement, c'est le plaisir, quoi. Cette musique. Ah ouais, la Farm Simulator maintenant. Hein. C'est de Road Truck à Farm Simulator. Ah putain, mais je peux tirer. Putain, je peux défoncer. Ah oui, je peux défoncer. Oh bah énorme. Mais je vois rien. Ah oh, merde, d'accord. Oh, putain. Ah mais je me suis... Quoi? J'en ai mis à la con là sur le... Alors, comment ça se présente? Quand j'ai un ennemi là, faut le dégager. Putain, c'est Mad Max quoi. Non, ça va me péter à la gueule si j'y vais. Allez, les gnards là, hop. Ah, putain, ils font chier. C'est ça, dégage. Putain, merde, je gourais. Ah, ils sont relous, là, les... C'est Mad Max, quoi, avec eux. Ah, merde, ça craint, ça. Ah, ça me fait pas perdre de vie. Ah, si, merde, non. D'accord. Le rouage, c'est la santé de la moissonneuse. Ouais, là... Je vois rien. Putain, c'est quoi ce bordel? Ah merde, vite! Oh, putain, la moissonneuse va péter là. Ah merde, je pensais que ce... Je pensais qu'elle serait en panne, mais je pouvais continuer. D'accord, c'est vraiment la vie quoi. Putain, wow! Putain, c'est quoi ce checkpoint pourri? Dégage toi. Pas aller dans la forêt, bon bah alors attends. Suive la route alors. Ah je sais pas, vu qu'on défonce tout là, c'est plus un problème les arbres. Ah là ça va être Ben Hill quoi. Ça me blesse là ce qui m'envole. Ah, par contre ça pourrait clear, c'est très bien. Je suis quand même obligé de me prendre des dégâts quoi. Merde, putain, d'accord. Ça, je les voyais pas quoi. Oh, la vache, mais ça arrive là. Alors. Putain, ça rame là. Je vois qu'il y a des trucs. Ah non, je crois que c'était des balises. Voilà, attends, comment je vais faire pour eux? Si, comme ça. Voilà. J'aurais dû fuir, je pense. Ah, c'est propre. Salut Vivien.
une mission secondaire là. Là c'est pas bon de toute façon. J'ai pas de fil d'Ariane. Faut que je suive ça là-bas? Faut y aller à la moissonneuse? Oh la ferme. Tu as un succès. Les trucs là, oula. Ah voilà, c'est là. Drone allié. Ah oui, il faut voir ça. Je pense que là, il n'y a pas besoin de... de la moissonneuse. Oh, would you look at that? More drones. Would it be a shame if someone went over there and reprogrammed them? Non, mais ça faut que je l'ai là, le drone. Putain, je sais pas s'il faut suivre ça ou ça. Je suis tombé. Pas super bien mes munitions, mais bon, ça passe. Je vais laisser ça, j'ai assez de cartouches. Salut le Chuck. Certainement huche huche. Comment on va? Un peu de partout là. Quoi? Putain, what? C'est quoi qui m'a fait mal là? Putain, c'est quoi ça? Attends, c'est un hélicoptère ça encore? Ouais, ok. Aïe. Oh putain. Il y a un biomécanoïde. Ouais, dégage toi. Putain, je manque de... j'ai que ça quoi, un explosif quoi. Faut que j'ai ça aussi. Bon, c'est un peu pour Ignoum ça. Oh putain, c'est la one shot. Allez, c'est bon. L'hélico lance grenade. Ah, bah ça, c'est bien, ça. J'aime bien. Dès qu'il y a du worms.
Mais attends, j'ai une nouvelle bécane ou c'est l'ancienne bécane ça? Ça me paraît loin. Bon bref, de toute façon, faut que j'aille là. Merde, ça par contre, ça va pas me plaire. Je l'ai pas tué. Ouais, voilà, ça va arriver à l'infini là. Je lui ai rien fait perdre cette conne. Elle est où? Putain, mais elle est où? Putain, je vois rien là! C'est quand même intensif, hein. Allez, on va essayer de monter. Je peux pas là. Je peux toujours pas. Quoi. Non. Je vais te faire le tour là. Putain, heureusement que j'ai pas fait ce niveau là, dernier live là, jeudi. Ça aurait été difficile, hein. Ah ouais, c'est clair. J'ai remarqué aussi. Et tant mieux. Faut le gagner quoi, l'objectif quoi. Ah voilà, je peux passer. Hop. Ah, t'étais bien obligé de faire tout le tour. Bon après, il y a peut-être des techniques. Pour aller plus vite. You get one of these. Human of Earth, you are filthy and unauthorized. Surrender immediately. What? Am I under arrest? Yes, yes, you are. But officer, you don't even have a gun. That is irrelevant. You must surrender now, barbaric ape. Really? Because I was thinking I could reprogram you and then also grab one of those combat drones and use it against Mental. Well. Shit. Action hero? Definitely. Sex symbol? You betcha. Hacker genius? Why the hell not? Ouais. Je vois pas trop pirater quand même. Bon, pas mal. Par contre, ouais, je suis en train de me dire. Ah, mais si, je l'ai. Tu me disais pas que quand on perdait toutes les armes, on perdait également les gadgets, fallait les reprendre. Finalement non. Enfin je sais pas, j'ai peut-être mal compris. J'étais en train de me dire merde, j'ai pas pu voir le mini nuke. Ah d'accord. Bon, faut que j'y pense alors, parce que bon, si jamais on n'a pas de mini nuke ou autre, faudra quand même voir ce que ça donne. Bon alors on a ces drones. Et on va faire ça. Paf. Il suivra, défendra un soldat humain jusqu'à ce que sa batterie soit épuisée. Ouais, puis il va se faire exploser en deux secondes surtout, hein. Non? Bon, peut-être, je vais essayer d'y penser. Je vais peut-être l'utiliser quand on sera dans une zone de où il y a pas mal de combats. Ah, d'accord. Un qui a dit de la merde quoi. merde, on sort pas où? T'as conscience. C'était là non? Ah oui, voilà.
Ça me paraît fou quand même jusqu'où on peut aller, quoi. Il doit y avoir un mur invisible quand même à un moment donné, quoi. Putain, je sais même plus par où c'était, attends. Attends. C'était là. Non, c'est par là-bas, non ? Faut suivre la route, hein, de toute façon. Je sais pas où je partais là. Ça, c'est un fake, hein, le symbole là de la moto. On retourne là où on l'a laissé, quoi. C'est pas une nouvelle moto, quoi. Putain, on a fait du chemin quand même. Tiens. Et ça se trouve, il y a des secrets, quoi, qui sont planqués à l'autre bout. Oh, je ferais ça plutôt en solo, quoi. Ok, ça c'est à fond. Ah bah c'est clair, hein, c'est beau, hein. Enfin, ce que j'adore, c'est surtout que c'est bien coloré, quoi. Putain, ça change tellement de Serious Sam 3, quoi. Non, mais c'était pas la moto en fait, c'était la moissonneuse. Ça aurait pu me servir de repère. I'm so sorry. I'm really sorry. Oh God, please forgive me, Frog King. Ah bah d'accord. Ah oui, putain, j'ai bien fait de pas y aller, quoi. J'aurais pu rater la mission secondaire directe, quoi. Donc on a fini ce chapitre en 1 heure. Une minute, alors que ça aurait pu être fait en 45 minutes, mais bon, hein, on se baladait. Et voilà, 4 sauvegardes sur 5, ah ouais, pas mal. Merci.